sommes infiniment reconnaissants parce que, oh Dieu, il y a un désert quelque part ce matin et c'est là que tu as décidé et choisi de l'arroser. Donne-nous, Père, d'être efficace. Donne-nous d'être présent. Et donne-nous, Père éternel, ce matin, d'être la meilleure terre qui recevra ta parole. Je prie qu'au travers de cette parole, plusieurs qui étaient perdus reviennent à toi. Je prie que plusieurs, Seigneur, qui étaient faibles, retrouvent leur force. Je prie également, ô Dieu, que ceux qui ont pleuré soient consolés par ta parole. Car lorsque le peuple a été dans une détresse la plus profonde, il est dit que tu leur as envoyé ta parole et celle-ci les a secourus. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Peut-il déjà arriver de te demander quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun, une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel deux chemins nous sont proposés. Soit la vie, soit la mort, et pour l'éternité. Pendant que tu as encore le souffle de vie, tu as encore la grâce de changer ton sort. Car du moment que sur toi s'abattra la mort, derrière toi se fermera ta porte sans souci. Commencera l'éternité. Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera seul le bonheur parfait. Il fera ton éternité. Sera seul le châtiment complet. Il fera ton éternité. Ce qui est sûr, ce que pour toi. Commencera l'éternité. Par la volonté de qui tu es en vie, a bien établi de limites à la vie, de tout homme lui fixant demeure et durée, qu'il est alors impossible de dépasser. C'est mieux vaut la fin que le commencement. Et ce fait est pour tout homme très important. Car le rendez-vous de tous les vivants attend. Dès lors quiconque est né d'une femme au tournant. Tu as encore la grâce de changer ton sort. Car du moment que sur toi s'abattra la mort, derrière toi se fermera la porte sans souci. Commencera l'éternité. Seul le bonheur.
ton éternité. Sera seul le châtiment complet. Qui fera ton éternité. Ce qui est sûr, ce que pour toi commencera l'éternité. Commencera l'éternité. Tu te vois encore jeune et tu fais des projets. Jésus, la sagesse nous a été donnée. En haut pour connaître la vérité qu'il est. Le droit chemin, la résurrection et la vie. Et mourir en Christ, c'est cela gagner la vie. Et mourir en Christ, c'est ça gagner la vraie vie. La vie éternelle. On se vit. Notre assurance vie, c'est de mourir dans le Seigneur. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Plusieurs se sont révélés comme étant des guides, des leaders dans ce monde. Mais quand lui est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et tous ceux que le Père attire, il ne les attire qu'au travers moi. Nous bénissons son Saint nom. Nous bénissons l'ange de l'Église, notre Père, Papa Paul Lengue, qui nous donne ce cadre et cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Nous bénissons les pasteurs, Pasteur Hervé et le Pasteur Cédric. Nous bénissons les anciens, les collègues diacres, ainsi que tout le peuple de Dieu que vous êtes. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 4 textes rapidement. Le premier, Hébreux, chapitre 9. Du verset 27 au verset 28. Hébreux 9, 27, 28, le deuxième. 2 Corinthiens, chapitre 5. 9 et 10. 2 Corinthiens, chapitre 5. 9 et 10. 9 et 10. Le troisième, Yatatu. Luc, chapitre 12, Luca sura 12, 19, 20, 19, 20, Luc 12, 19, 20, Luca 12, 19, et le tout dernier, Yamwisho. Amos, chapitre 4, le verset 12. Amos, sura ya ine msari wake wa 12. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 9 à 10. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car
il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Luc 12, 19 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amos chapitre 4, le verset 12, nous lisons. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Amen. Notre thème de ce matin s'intitule « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ici, na kitu kia subuhi ni kusema ujitayarishi kumukutana Mungu wako. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Andaye kumukutana wako Mungu. Le texte que nous avons pris en premier, celui de Hébreux chapitre 9. Somi wa kwanza tulisoma Waebrania sura ya 9. L'auteur est en train de nous dire ceci. Mwandishi anasema hivi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? De même que Christ, pour la première fois quand il est venu dans ce monde, il a paru comme étant péché. Pour sauver l'homme du péché, il apparaîtra une seconde fois. Et dans la seconde fois, il n'aura rien à voir avec le mal. Il apparaîtra dans toute la gloire de sa pureté et de sa sainteté. Le problème, c'est que quand il vient pour la seconde fois, la Bible dit qu'il vient donner une rétribution à ceux qui l'attendent. Il vient donner la rétribution à ceux qui l'attendent. Mais cette pensée m'interroge. Le même Seigneur qui a dit quelque part dans Luc chapitre 12, il est temps de dire quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Mais cette même pensée nous dit que Jésus viendra à ceux qui l'attendent. Ce qui est vrai, c'est que quand le Seigneur viendra, ce ne sera pas tout le monde qui sera en train de l'attendre. Il y aura une catégorie de gens qui va l'attendre et une autre qui aura déjà perdu la foi. Le peu de foi qu'il s'est évertué, efforcé à faire naître dans ce monde. Il a commencé avec les 12. Il est parti avec les 70. Il a avancé avec les 120. Après Pierre, il est venu avec 5000. Et le nombre était en train de s'accroître au jour le jour. Mais Jésus a posé une question de manière expresse. Où verra-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, y a-t-il quelqu'un qui se prépare à la venue du Seigneur Jésus? Depuis que le Seigneur Christ est parti au ciel, il a soumis le monde à une dure épreuve. C'est l'épreuve de l'attente. Alléluia. Amen. Vous savez que, au-delà de toute épreuve que le diable peut venir oppresser, avec lequel peut venir oppresser le peuple de Dieu, il y a une bien plus grande épreuve qui est celle que Dieu lui-même impose à son peuple, c'est l'attente. Quand Christ est parti, les disciples étaient chauds bouillants.
Ils étaient convaincus que Christ viendrait à leur époque. Et finalement, un à un, ils partaient. Il en est resté un, Jean, de qui il a été dit, « Si je voudrais qu'il soit encore là lorsque je reviendrai, cela vous importe peu. » L'histoire nous dit que Jean a été mis dans de l'huile bouillante. Il en est ressorti toujours vivant. On pouvait croire que Jean serait là jusqu'au retour du Seigneur Jésus, mais il a été emporté. Aujourd'hui, 2000 ans après, l'Église est toujours en train d'attendre le Seigneur Jésus. Et malheureusement, Christ n'est pas encore là. Et lorsque le peuple est soumis à la dure épreuve de l'attente, le peuple commence à devenir méchant. Dans une des paraboles du Seigneur, il dit, quel est ce fidèle serviteur? C'est bon t'économe-là. Que le maître placera sur sa maison afin qu'il gouverne sa maison. Et lorsque le maître reviendra, il pourrait l'établir sur tous ses biens. La Bible dit que ce serviteur qui était bon au départ, il a commencé à se dire en lui-même que tellement que mon maître tarde, j'ai envie de devenir méchant. Il a commencé à faire du mal aux serviteurs. Il a commencé à faire du mal aux servantes. La Bible dit qu'il a aussi commencé à boire, à manger et à s'enivrer. Bien aimé, dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ, quel est le comportement de ton cœur? Quel est le penchant de ton âme? Te penches-tu aux choses qui soient bonnes? Ou alors ton cœur devient mauvais? Le drame de l'Église actuelle, c'est que l'Église a cessé d'attendre le Seigneur Jésus. Et ce message dans les églises pentecôtistes, on n'en retrouve plus ce message. Lorsque le pentecôtisme était naissant, on savait tous que Christ est en train de revenir. On le savait tous. Parce qu'il y avait les quatre roues de l'évangile qui véhiculaient l'église à l'époque. On savait que Jésus sauve. On savait que Jésus guérit. On savait que Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Et en dernier, on savait que Jésus revient. Aujourd'hui, l'Église a perdu ce message. On a sombré dans l'évangile de la gloire. On a sombré dans l'évangile de la prospérité. L'Église a tourné le dos au Seigneur Jésus. Et la question revient sur la table. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, où verra-t-il un peuple qui l'attend? Maman, est-ce que tu attends Jésus? Mama yangu, kabisa unamchungaka Yesu. Papa, est-ce que tu attends Jésus? Nawe baba yangu pia unachunga Yesu kuja. Jeune homme, jeune fille. Kijana, dada kaka. Quel est le penchant de ton cœur en ce moment précis? Mwenendo wa nafsi na roho yako iko upande gani? La vie d'un homme. Maisha ya mtu. Luc chapitre 12 verset 15. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède dans ce monde. Quels que soient les biens que tu as.
L'assurance vie à laquelle tu peux souscrire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amasser des trésors pour le ciel. Là où la rouille ne peut ronger. Là où les voleurs ne peuvent voler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment parler sur comment se préparer à la rencontre du Seigneur. Mais nous allons plus aborder la question de pourquoi est-ce que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. J'ai envie de te dire que tu as raison de te préparer à la rencontre du Seigneur. Et je vais te donner trois grandes raisons pour lesquelles on doit tous se préparer à sa venue. Que mon Dieu vous bénisse. La première raison, elle se trouve dans Job chapitre 4, je crois, le premier verset. Sababu ya kwanza inapatikana katika Yobu sura ya 4 na zaidi. Job chapitre 14, le premier verset. Yobu sura 14 mstari wa kwanza. Où la Bible dit ceci. Biblia iko natuambia hivi. Que la vie, l'homme né de la femme. Mtu aliyezaliwa na mwanamke. Sa vie, elle est de courte durée. Maisha yake ni mafupi. Et sans cesse, elle est agitée. Lakini bila mwisho inatangatanga. Et la première raison que je te donne pour laquelle tu dois attendre le retour du Seigneur Jésus. Sababu ya kwanza nakupa juu ya wewe kujua kumchunga kurudi Yesu. C'est que tu n'as pas le temps. Hauna wakati. Amen. Amen. Tu n'as pas le temps. Hauna wakati. Tu n'as pas le temps. Hauna wakati. Cet homme dont la récolte avait produit beaucoup. Mtu ambao uzao wa mashamba ilimea mingi. Il a tellement amassé beaucoup de la récolte qu'il a faite cette année-là. Alipata mimea mingi sana katika mavuno yake. Et un soir, il se dit, Magaribi akasema, mon âme, tu as tellement beaucoup de biens jusqu'au restant de ta vie. Nafsi yangu, ulipata mali ya mingi mumasiku na ubaki. Repose-toi. Pumzika. Bois. Kunywa. Le Seigneur a été Jibu ya Bwana ilikuwa ya mstucho kabisa. Insensé. Insensé dans ce monde. À croire qu'on aura tout le temps de faire tout ce qu'on voudrait. Dieu lui a dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Longtemps sur la terre. Mais il n'a jamais eu le temps de se préparer à vivre dans l'éternité. Chers parents, c'est une bonne chose de faire éduquer nos enfants. De les instruire dans de belles universités. Mais est-ce que nous les instruisons aussi à la vie éternelle? Est-ce que nous préparons nos enfants à l'éternité? Est-ce que nous-mêmes d'abord nous sommes prêts pour l'éternité? Qui est-ce qui se prépare? Hier encore tu étais jeune. Hier encore tu étais un tout petit. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Mon père est né en 1955. 1955. Et mon père est décédé en 2017. Alikufa 2017. Je me rappelle quand on arrive au cimetière. Afika huko kumatubuli. Sa vie à lui. Sa vie à lui. Maisha yake. C'est résumé par un trait. Ilikuwa mtendo moja. Juste un petit trait. Nuktai moja. On a écrit 1955 trait 2017. Bayandika 1955 Mukato 2017. La vie de mon père, 62 ans d'existence sur la terre. Aisha baba yangu miaka 26 pa dunia. Se résume par un petit trait. Inaimbia nukta moja tu.
Et toi, tu penses que tu as du temps. À reporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Pense que tu as du temps. Non, tu n'as pas le temps. Et parce que tu n'as pas le temps, c'est le moment de s'amender pour se préparer à la rencontre du Seigneur. Dieu te fixe encore un nouveau jour pour te préparer. Et ce nouveau jour, c'est maintenant. Vous savez, nous ne possédons que ce que nous avons. Le temps que tu respires, c'est le temps qui t'appartient. Les secondes qui viennent après ce temps ne t'appartiennent pas. Je dis bien, les secondes qui viennent après ce temps ne t'appartiennent pas. Jésus a dit, qui peut rallonger ne fût-ce qu'une seule coudée à sa vie? C'est pour ça que je bénis souvent le Seigneur quand je respire. Parce que tout peut m'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'aura pas toujours le temps de tout faire. Le monde nous a tellement conditionnés à nous préparer pour vivre bien dans ce monde. On veut avoir la meilleure voiture qui soit, le dernier cri. On veut construire une maison en étage. On veut être une star sur les réseaux sociaux. Mais où est le temps que nous passons à nous préparer à la venue du Seigneur Jésus? Il n'y en a pas. L'Église a perdu ces moments de communion, de recherche à ce que le Seigneur, quand il viendra, on soit prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. Bili wa Korinto sura ya tano. On l'a déjà lu. Tuliisha soma. Paul a dit. Paulo alisema. Que chacun rendra compte. Kila mtu atatoa hesabu. De tout ce qu'il aura fait. Kwa vyote alivyo vitenda. Étant dans ce corps. Wakati ulipokuwa mwili. Soit en bien. Iwe ku vizuri. Soit en mal. Iwe ku vibaya. Chacun. Kila mtu rendra compte. Atatoa hesabu. Est-ce que tu fais de ton temps? Wakati wako unapoishi unafanyaka binini? Mon frère, ma sœur, ndugu dada yangu, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Wakati wako unaitumikisha munini? Parce que dans l'élément temps, wona wakati wa dalili, il y a tout ce qui peut nous surprendre. Ainsi, nous allons passer à la deuxième raison pour laquelle nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. La deuxième raison, c'est la mort. Amen. Amen. Personne n'est à l'abri de cette chose-là. La mort est le plus grand mystère dans la création de Dieu. Paul est en train de dire que la mort sera le dernier ennemi que Dieu va détruire. Les gens pensent que le diable est le plus puissant et le plus fort. Non, le diable sera même détruit avant la mort. Vous rendez compte? Munaona? La mort. Kifo. La mort, elle peut toucher tout le monde. Kifo kinaweza kagusa mtu wote. Elle touche les blancs. Na wazungu wanakufaka. Les jaunes. Waindi. Les rouges. Wa China. Elle touche aux États-Unis. Na wote Marekano. Elle touche en Afrique.
Il faut que na biga na ko Afrika bara l'Afrique. Elle va en Afrique. Nende ko Afrika. La mort n'épargne personne. Il faut ache mutu ina maliza bote. La mort touche des grandes personnes. Il faut na kuwa na watu wakubwa. Mais elle vient toucher aussi des bébés. Ina gusaka na watoto wachanga. Elle n'a pas de pitié. Aina huruma ikifo. Dès le premier jour où tu as poussé ton premier cri, tangu siku ya kwanza ulilalamikaka, tu as eu un jumeau qui s'est attaché à ta vie qui s'appelle la mort. Ulikuwa na yule aliambatana nafsi yako anaitwa kifo. Et elle marche avec toi tous les jours de ta vie. Lipasa ule anatembea na wewe kila siku ya maisha yako. Et puisqu'elle marche avec toi, sababu anatembea na wewe, elle peut te surprendre à tout moment. Atakustusha kifo. Mais amen. Alléluia. Amen. La mort peut venir de plusieurs manières. Kifo itatukuta mnamna za kuachana. Peut venir de plusieurs manières. Inakuyaka na muna mbalimbali. Peut mourir par accident. Unaweza kupatikana kwa musiba. Par un crash d'avion. Ndege inabomoka kule juu. Oh, mais tu peux te dire je reste dans ma maison, je ne sors pas. Unaweza kusema sitatoka byangu nibaki nyumbani. Parce que je veux fuir tellement la mort. Napenda nikimbie lufu isinipate. Insensé. Mpumbafu na mjinga. Tu peux mal boire de l'eau et la mort te surprend. Mukunywa tu maji kifo naweza kukupata. Vous savez, je vous parle encore de mon père. Mnajua ningai na kumbushia gisi baba yangu. On a parlé avec lui au téléphone, c'était vers 20h 21h. Uliongea naye msimu ilikuwa 20h 21h. Et puis on se dit demain on se rappelle pour se parler encore. On a sema basi tutaonana bukuche kwanza tutaonana. Et demain vers 9h on nous apprend que père est déjà décédé. Saa tatu banatubambia sema anaisha fariki. Et quand on pose la question, il est mort dans son sommeil. Banauliza alilufu limpata aje sema kulala tu. Alors qu'on est supposé se reposer quand on dort. Kadiuliza tena namna nyingine. On est supposé se reposer quand on dort. Tunaweza kuonekana sema tunapumzika. Mais c'est là que la mort est venue le surprendre. Mukulala tumubusingizi kifo kina kukuta. Mon frère, tu crois que tu peux échapper à la mort? Nduku yangu, dada yangu, kaka, unaweza kukwepa hii habari ya kifo? Détrompe-toi. Usijidanganye. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il détient, de ce qu'il possède. Maisha ya mtu ayambatane na mali na bwingi benye bien yuko nabio. Comment est-ce que tu conduis ta vie? Unaongoza yako maisha namna gani? De peur qu'un jour ta vie ne soit définie que par un petit trait. Usudi maisha yako isifikie siku moja. Et mon père, quand il est venu parce qu'il était à l'étranger, on l'a amené par l'aéroport. Baba yangu wakati alikuwa anaishi Bulaya bamuleta kundege za anga. Parfois je rigole, parfois je verse des larmes. Naonaka na mwanga machozi. Il est venu dans une petite caisse. Alikuwa mukanyumba kadogo kambao. Voilà kambao. Et sur cette petite caisse, il est nyumba kidogo ya mbavu alim. On a écrit ceci. Anaandika hivi. Colis, deux points. Colis, deux points. Colis. Colis. Deux points. Colis yenyewe mtu aliye kwa mzima. Anaandika jina yake. Anaandika on a écrit son nom. Poids, deux points. Uzito. Taille, deux points. Urefu. Quand on nous amène à l'aéroport pour venir découvrir si ce corps, ce colis nous appartient, il fallait qu'on casse, on a cassé avec un petit marteau et puis on a ouvert. Ça, tu n'as pas de zanga à l'aéroport, tu as coûté na quoi ni musigo. Et quand je regarde le colis, je me dis donc mon père est devenu un colis. Baba yangu anakuwa musanda mu musigo. Je pense que tu as le temps de te préparer. Et tu uko na wakati ya kujitayarisha. Tu penses que tu arriveras à 62 ans comme mon père? Unawazia utafika ile pata ya miaka ya saa baba yangu 62? Moi je ne sais pas. Mi sijui. Moi je sais que le temps que tu as c'est maintenant. Mi najua wakati unayo njoo hapa hapa njoo yako. De peur qu'un jour toi aussi tu sois écrit comme colis. Usudi siku moja wasikuandikie unakuwa mzigo mzoga. Dès lors que le souffle de vie quitte ton corps. Wakati pumzi inakutoka mumwili. Hakuna kitu kiabule. Anakuwa anaita mtu alikuwa mzima le corps.
te l'illustre disparu. Merci parce que j'étais en train de pleurer déjà. Merci de me faire rire. Asante kunichekesha kwanza nilikuwa niko na mwanga machozi. Quand je pense vraiment à cet homme qui est mon père, je me dis qu'il n'avait pas de raison de mourir. Homme de Dieu l'a rencontré. C'était le premier qui était toujours debout dans la maison. Et il était toujours fort. Toujours. Mais un grand monsieur s'écroule comme ça, dans son sommeil. Je me suis posé la question, est-ce qu'il était prêt? Est-ce qu'il était prêt? Ça restera pour nous un mystère. Seul Dieu connaît. Mais toi, tu es là. Tu as encore le souffle de vie. Et tu attends ce message. Tu entends ce message. Je te supplie. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi. Prépare-toi. Dans Amos chapitre 4, le verset 12. Dieu a dit, puisque je te ferai ainsi. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour que Dieu dise « Je te ferai ainsi » C'est que Dieu a déjà commencé à donner des avertissements à Israël. Et Israël s'entêtait dans sa révolte contre Dieu. Dieu est en train de dire à Israël, regarde ce que j'ai fait aux autres nations qui se sont rebellées contre moi. Vois comment je les ai frappés. Vois comment j'ai anéanti des peuples entiers. Et prends exemple sur eux. Mais Israël est devenu rebelle et resté rebelle, incrédule au message de Dieu. Alors en ce moment-là, Dieu dit d'accord. Alors tu mourras en face de toi. Es-tu plus fort que Dieu? Vraiment. Kabisa. Vraiment, ma frère. Parce que tu es jeune. Kijana. Tu as des belles formes. Uso mzuri. Parce que tu es plus forte que Dieu. Prépare-toi. C'est juste une supplication, prépare-toi. Il est niali ya kukusi, kukubembeleza, kujitayarishe. Il y a de la place pour la repentance pour chaque individu. Wakati ya kila mtu kupita mukitubio ingali. Si au ciel il y a beaucoup de place. Kama kumbingo mafazi iko ya mingi. C'est qu'il y a aussi ta place pour toi qui es perdu. Na yako hata wewe mwenye kujipoteza maovu iko hako inakuchunga. Il y a de la place pour toi dont la foi a défailli. Wewe mwenye imani isha cheza inaisha punguka. Fazi iko na kuchunga huko mbingu. Alléluia. Amen. Moi je n'ai plus envie de te parler, j'ai envie de me parler à moi-même. Sina mutena ni kuambia hasa basi nijishauri hata mimi mwenyewe. Parce que je me rends compte que cette parole percute dans mon cœur. Naona hii roho iko na nirudilia na mimi. En m'interrogeant moi-même, est-ce que je suis prêt? Najiuliza na mimi eti niko tayari hata na hubiri hapa watu. Si Christ est venu pour la première fois comme un sacrifice expiatoire, kama Kristo alikuja mara ya kwanza kama malimbuko ya kujitoa kwetu, pour la seconde fois il vient comme un juge. Mara ya pili atakuja kama mwamuzi. Je crains que tu sombres dans la phase finale. Naogopa usiangukie mkipindi. La phase finale c'est l'étape où les choses restent telles quelles. Kipindi kile kia mwisho itabakia vile vile akuta kuwa tena bya kubadilisha sasa nikatubu tena nikafanya hivi akuta kuwa. Apocalypse dit ceci. Ufunuo anasema hivi. Que le saint
mutakatifu se sanctifie aendelee kujitakasa davantage zaidi. Celui qui est souillé muchafu aendelee kujichafua tena sana, continue de se souiller encore uendelee kujichafua sana vile unapendaka davantage zaidi. Tu sais, quand tu es dans cette phase finale, il n'y a plus de retour possible. Alors moi, je préfère prendre position dès ce matin. Je veux prendre position de la sainteté pour que lorsque je rentre dans la phase finale, que chaque jour j'apprenne à me sanctifier davantage. Mais si tu prends position dans la souillure, mon frère, ma soeur, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Les églises catholiques nous ont beaucoup menti avec leur fameux purgatoire. C'est du faux. Tu meurs. L'étape suivante, c'est le jugement. Ukumu. On nous a aussi beaucoup menti en nous disant que l'homme peut avoir plusieurs vies. Asema mutu anaweza kuwa na maisha ya mingi. Si dans une ancienne vie il était femme, kama mui maisha ya leo, et qu'il mourait, anakufa, il peut devenir un homme dans une nouvelle vie. Anaweza kuwa mtu mu maisha mengine ya sasa. Il est né aux États-Unis, kama alikuwa Marocano, pour faire sa pénitence, Dieu a kufanya kitubio. Il peut naître en RDC à l'Est, anaweza kuzalika kule kumashariki, là où il y a beaucoup de bombes, kule kwenye mabomu iko ya mingi na nguka. Et s'il mourait là-bas, qui n'a pas vraiment réparé ses fautes, akikufa kule kuvita akutayarisha maisha yake, Dieu peut l'envoyer au Vietnam. Mungu atamtuma ku Vietnam tena. Qui vous a menti comme ça? Nani alikudanganya vile? Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Inatayarishiwa kwa mtu kufa mara hii moja. Après quoi? Kiisha pale le jugement. Ni hukumu. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train déjà de chuter, on ne sera pas long parce que c'est un message évangélique. Tuko tunashuka atutarefuka ninakuwa ni ujumbe wa injili. Le troisième point. Nukta ya tatu. On l'a déjà tout dit. C'est que Jésus revient. Yesu iko narudi. Si le temps peut nous surprendre, ne peut pas nous surprendre. Kama wakati ikutustusha, la mort peut nous surprendre. Kifo kitatustusha. Si la mort ne nous surprend pas, kama kifo atustusha, eh ben Jésus peut nous surprendre par sa venue. Yesu naye atastusha kwa kuja kwake. Il est dit de lui qu'il viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Inaandikiwa atakuja kama mwizi katikati ya usiku. Écoutez, il y avait les 10 femmes qui étaient vierges. Kulikuwa mabikira walikuwa 10. Elles étaient propres, elles étaient pures. Walikuwa warembo wenye usafi. Elles ont été soumises à l'épreuve de l'attente. Walikuwa na hapo wanamchunga Bwana kurudi. La Bible dit que pendant la nuit, elles ont eu sommeil. Elles se sont endormies. Biblia inasema mubusiku businge na hapo bukababeba. L'église peut sommeiller par l'attente tardive du Seigneur Jésus. L'église peut dormir par l'attente tardive du Seigneur Jésus. Dormir ou rester éveillé, là n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être préparé à sa venue. Sur les 10, il y en avait 5 qui étaient prêtes pour le retour de leur époux. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle gardait avec elle de l'huile. Lorsque la sonnette a sonné, elles ont sursauté de leur lieu où elles étaient. Et le premier réflexe, c'est d'allumer leur lampe. De l'huile avec toi lilala na wewe na mafuta ndani mwako ou tu n'en as pas au mafuta hakuna. L'esprit et l'église disent viens Seigneur. Roho inasema kanisa uje Bwana.
Viens, Seigneur. Uche Bwana. Viens, Seigneur. Uchara. Voilà le cri de l'Église. Ona l'amiko ya kanisa. Voilà le cri de l'Esprit. Ona ro ya kanisa. Et si tu es animé par le Saint-Esprit, kama unaongozewa na Roho Mtakatifu, chaque jour ton esprit doit dire viens Seigneur. Kila siku roho itasema niko patayari uje Bwana. Autrement dit, chaque jour tu vas commencer à te préparer pour la venue du Seigneur. Kila siku hautaacha kujitayarisha, utaendelea kujitayarisha. Voilà pourquoi Paul est en train de dire. Ona sababu gani Paul anasema? Il dit c'est pour ça que nous nous efforçons chaque jour à lui être agréable. C'est un combat quotidien. On ne relâche pas dans ce combat. Notre Dieu, Père céleste et saint, nous aussi nous devons être saints dans toute notre conduite. Église Arche, voici ton message de ce matin. Un appel à la repentance. Un appel au retour des valeurs chrétiennes. Jésus revient. Yes, on a rudi. Et ça, ce n'est pas un mensonge. Aina wongo, nakwambia ni kweli. Il n'y a pas vraie vérité que celle-là. Hakuna ukweli ungine, ni mpaka ile Yesu iko narudia. Il revient. Iko narudia hakika. Il revient. Anarudi vya kweli. Il revient. Anarudi hakika. Et il revient maintenant. Anarudi sasa, nakuja upesi sasa. Où est ton cœur? Roho yako unaitoa kwa nini? Où est le penchant de ton cœur? J'aimerais qu'on prenne un tout dernier texte et on va clôturer par là. On est dans Michée chapitre 2. Et dans Michée chapitre 2. Mika sura ya pili, le verset 10. Mstari wa 10. Je veux les lire rapidement. Nitasoma kwa haraka. Levez-vous. Amkeni. Marchez. Tembeeni. Car ce n'est point ici un lieu de repos. Hapa sio tena fazi ya mapumziko. À cause de la souillure, sababu ya machafuko, il y aura des douleurs. Utakuwa machungu. Virgule. Utakuwa mombolezo. Des douleurs violentes. Dieu l'a annoncé déjà. Par son prophète Michée. Que tellement le monde est rempli de beaucoup de souillures. Et la conséquence sera seule. Il y aura beaucoup de douleurs. Il y aura des violentes douleurs dans ce monde. Mais un conseil t'a été donné. Partez. Nendeni. Marchez. Tembeeni. Levez-vous. Amkeni. Bougeons avec le Saint-Esprit. Tutikisike pamoja na Roho Mtakatifu. Bougeons avec les recommandations du Seigneur. Tutembee na maagizo ya Bwana. Allons vers où nous pouvons être en sécurité. Twende na maagizo hapo tutakuwa katika ukingo. Le nom du Seigneur nous a été donné. Jina la Bwana lilitutolewa. Comme étant notre vraie sécurité. Kama ukingo wetu mkubwa. C'est là que le juste va se réfugier. C'est là que celui qui est saint doit aller se réfugier. Église Arche, où est ce message de la repentance? Église Arche, où sont les hommes justes? Kanisa Arche, wenye haki wiko wapi? Où sont les femmes droites? Wadada wanyofu wakamilifu wapo wapi? Où sont les cœurs qui craignent le Seigneur? Nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et on a arrêté de faire ça. On a arrêté de faire ça. On a tourné le dos au Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, combien seront prêts pour l'attendre? Wangapi watakuwa tayari kumchunga Bwana karibu niko tayari.
Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Chante encore Inatushinda. Inatushinda. Ufa. Abendo aya. Jésus t'aime. Il t'aime ce matin. La vérité, elle est unique. Paul est en train de dire. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Ferme les yeux.